Le journal. Les titres de votre journal. Célébration ce dimanche à travers le monde de la fin du jeûne du mois de Ramadan, occasion pour les fidèles musulmans de célébrer l'Aïd Fitr à la maison en famille en raison du coronavirus. Annoncé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, une prime Covid-19 pour le personnel de santé. Le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, par le biais de son président, salue cette mesure et souhaite son effectivité rapidement pour éviter le découragement. Et puis l'interdiction de chasser le pangolin fait l'objet d'une campagne de sensibilisation et d'information initiée par le directeur provincial des eaux et forêts du Haut-Lintin. Voici pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Gabon, la référence, pour vous informer. On parle religion en ouverture. C'est officiel, les musulmans du Gabon viennent de rentrer dans la fête de fin de Ramadan. L'annonce a été faite par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon lors de son traditionnel discours circonstanciel, invitant ainsi la communauté musulmane à festoyer en suivant les recommandations de l'islam tout en observant les mesures barrières. Ahmad Beni Evaka. Des takbirats qui marquent l'entrée de la fête de fin du jeûne du mois de Ramadan. Durant 3 jours, cette glorification accompagnera les musulmans du lever au coucher du soleil en guise de témoignage de la grandeur de Dieu. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismaël Osenyosa, teinté à la chérifienne, s'est adressé à la communauté musulmane en ces termes après avoir observé la lune. Allah nous recommande des rites post-Ramadan aux vertus diverses et variées, de surcroît très bénéfiques pour des êtres perfectibles que nous sommes. Il nous recommande de le louanger dès ce soir ou demain à l'aube par des formules appropriées jusqu'à l'accomplissement de la prière rituelle circonstancielle. Ne la négligeons pas. Et parmi ces recommandations, il y a celle appelée Zakatul Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne aux vertus purificatrices. Cette aumône légale, alimentaire, bien sûr, n'est valable que lorsqu'elle est prélevée avant la prière de la fête, au profit des nécessiteux, des pauvres, afin de leur épargner la mendicité en ce jour festif. L'islam n'exclut pas sa remise aux familles non musulmanes. Aussi, ne négligeons pas cette aumône. D'ores et déjà, bonne fête de fin de Ramadan dans le strict respect des mesures barrières. Et pour ce qui est de la prière de l'Aïd dans les mosquées, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon demande aux fidèles de la célébrer à la maison en famille en raison du coronavirus. L'imam Ismaël Osini Ossa revient sur les indications nettes et précises. On l'écoute au micro d'Ahmad Beni Evaka. La tradition prophétique divinement inspirée nous commande de marquer la rupture du jeûne en prenant dès l'apparition de l'aube quelques dates ou d'autres fruits en nombre impair. Ensuite, au lever du soleil, de la longueur d'une ou deux lances, cette noble tradition nous recommande de prendre le grand bain, de nous parer de nos plus beaux habits en vue d'accomplir la prière rituelle de la fête, et que les bien vêtus parmi nous, parmi vous, vêtissent les moins vêtus pour la circonstance. Cette prière rituelle ne pourra malheureusement s'effectuer dans nos mosquées qui les abritent habituellement, à cause de la noble guerre que mène la nation contre cette redoutable pandémie aux conséquences incalculables. Cette prière de l'Aïd est fortement recommandée. Le prophète l'a observée avec assiduité, mais n'en a aucunement fait une prière obligatoire. Que vous soyez seul ou en famille, sédentaire ou voyageur, petit ou grand, mâle ou femelle, accomplissez-la dans vos demeures, mais n'excédez pas 10 membres à la fois par respect des mesures gouvernementales.
Vous suivrez en fin de ce journal l'intégralité de ce discours circonstanciel du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en cette période de la fête de fin de Ramadan. Célébration de la fête du Ramadan après un mois de jeûne, la fin c'est pour ce dimanche. Du côté du Sénégal, certains musulmans ont célébré la chorité ce samedi, mais pour la majorité des musulmans, la fête c'est pour ce dimanche. Écoutons depuis Tierce au Sénégal, Pape Dionne jouant au téléphone par Nick Jocelyn en Fouba. Pour le reste de la communauté, la plus grande partie, la majorité, c'est le 24, Inch'Allah, dimanche. Et lundi est férié dans ce cas, quoi. Parce qu'au Sénégal, si une fête musulmane coïncide avec le dimanche, lundi est férié. Que nous, à Thiès, ça va aussi, on suit la mouvance. Bon, le seul hic, c'est que, avec le confinement, bon, et les déplacements interurbains qui sont interdits, par exemple, le pape, mon fils, ne peut pas venir passer la fête avec nous, quoi. Nous non plus, on n'aurait pas pu aller à Dakar. Donc voilà quoi, c'est un peu ça la grande difficulté, ils ont bloqué toutes les autorisations spéciales de déplacement. Parce que Dakar maintenant est l'épicentre de la pandémie, hein. Donc avec près de 3/4 des cas infectés, c'est maintenant à Dakar. Donc et les gens, peut-être par mesure de prudence, ne veulent pas que Dakar exporte voilà la maladie vers d'autres cieux. D'autres zones qui ne sont pas encore affectées, parce qu'il y a des régions qui ne sont pas encore affectées, et on ne veut pas les infecter, quoi. Je comprends la mesure, donc ils ont bloqué tout, bon, que les gens restent là où ils sont pour passer la fête, voilà, quoi. Donc sinon, autrement, ça va être une fête très calme dans le confinement. En général, c'est les enfants qui venaient un peu nous tenir compagnie pendant les fêtes de Korité, Tabaski, tout ça, bon, mais cette fois-ci, il faut se remettre à l'évidence, hein. ça ne peut pas être, voilà, quoi. L'essentiel, c'est de prier. La suite de ce journal, la prime d'incitation à la performance PIP de l'année 2015 vient d'être payée au personnel de santé. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Max Limoukou, représentant du syndicat national de personnel de la santé SINAPS, au cours d'une réunion qu'il a tenue en présence des chefs de structures sanitaires de Libreville, Ovindo et Atonda. Gaël Mbimba Okoko. J'ai l'honneur de vous informer que la PIP a été payée. Des applaudissements des responsables des agents de santé pour saluer le paiement de la prime d'incitation à la performance PIP du deuxième trimestre de l'année 2015. Le règlement de cette dette qui était au centre de toutes les revendications syndicales intervient juste après l'annonce par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la mise en place d'une indemnité Covid-19 allouée au même personnel de santé pour récompenser le mérite, les efforts et les sacrifices consentis par ces hommes aux blouses blanches dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Une victoire qui oblige le secrétaire général du syndicat national des personnels de santé, SINAPS, Serge Mukala Mundanga, à lever le préavis de grève. Toute la joie est pour le personnel de santé de se sentir considéré par le numéro 1 gabonais. Donc sur ce point, nous allons nous mettre au travail aux côtés de nos administratifs pour qu'ensemble nous essayons d'élaborer les modalités d'acquisition de cette indemnité. Il s'agit là d'une indemnité. Nous avons travaillé nuit et jour, nous sommes arrivés à l'épilogue de ce dossier. La PIP a été payée. Le personnel de santé peut se réjouir et nous pensons qu'en ce qui nous concerne, en tant que leader, il n'y a plus question de conduire une grève dès lors que les questions ont été réglées. Si le paiement de l'indemnité Covid-19 est prévu pour la fin du mois de juin, la PIP, quant à elle, est déjà injectée dans les comptes bancaires des agents de santé, selon le ministre Max Limoukou. Je voudrais ici rassurer les uns les autres par rapport à ce paiement. Donc il y a une partie du règlement qui a été virée directement dans les comptes des personnels et une autre partie a été payée sous forme de bons de caisse. Concernant les équipements de protection personnelle, un protocole d'approvisionnement et de gestion des stocks sera entériné par toutes les parties dans les prochains jours. Une prime Covid-19 pour le personnel de santé, un personnel qui est au front contre cet ennemi qui tue chaque jour dans le monde. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon salue cette mesure. Cependant, il souhaite que cette annonce soit effective rapidement pour éviter le découragement. Écoutons Dr Adrien Mougougou, président du syndicat des médecins fonctionnaires, au micro de Nick Jocelyn Mfouba. De prime abord, je dis merci
à monsieur le chef de l'État. Maintenant, à ma qualité de responsable de la cellule Covid, nous disons merci. Nous n'avons pas attendu cette prime pour commencer. Et si ça arrive, c'est vraiment une bonne chose pour le personnel qui ne demande que ça, qui au quotidien vient vers nous les responsables pour dire mais pourquoi on est abandonné. Maintenant, en ma qualité de syndicaliste, je dirais, vous savez, moi, mon deuxième prénom, c'est Thomas. Et je le dis partout à nos différents responsables que j'ai eu la chance de rencontrer. Je disais que je m'appelais Thomas parce que je ne croirais et je ne dresserai un peu plus de laurier à monsieur le président de la République que lorsque les personnels de santé seront rentrés en possession de cette prime. J'ose espérer que cela va se faire le plus vite possible parce que le découragement commence à gagner certains. Je suis sûr qu'avec cette annonce, ça nous ragaillardit un peu, mais si elle n'arrive pas vite, on va se décourager. Je dis déjà merci. Nous le reconnaissons, rien que le fait d'y penser, et nous attendons cela depuis. Donc rien que le fait d'y penser, et surtout, au-delà de cette promesse, je voudrais tout de même dire merci à monsieur le président de la République, parce qu'il y a bien longtemps que je dis, nous n'avons souvent eu que des reproches, que des choses, on est des arnaqueurs, on est des incompétents. Pour une fois vraiment, j'ai senti en monsieur le président quelqu'un qui savait que nous existons, que nous avons mis notre corps même au service non seulement de toute la nation, mais surtout nous n'avons pas hésité à aller au-devant de cette pandémie, au-devant de ce virus dont beaucoup d'entre nous d'ailleurs se sont contaminés. Donc merci déjà pour cela. Le pangolais est interdit à la consommation dans notre pays. Le directeur provincial des eaux et forêts vient d'initier une campagne de sensibilisation et d'information sur l'interdiction de chasser cette espèce animale. Pour plus de détails, retrouvons Firmin et les Bien-Mézuis. Agissant en ses qualités d'officier de police judiciaire assermenté, le même arrêté prévoit des sanctions pénales conformément aux indications du code forestier en République gabonaise. Informer à l'ensemble de la population du Volantin de l'interdiction formelle de consommer, de chasser ou de capturer toute espèce de pangolin et de chauve-souris. Donc, mes services de concentrés qui sont situés à l'intérieur du département, notamment les chefs de cantonnement, ont fait les relais dans leur circonscription administrative, indiquant à la population tout entière qu'il était désormais interdit de consommer du pangolin ou du chauve-souris. Quant à l'importance et le bien fondé de cette mesure gouvernementale qui vise à sécuriser les Gabonais par précaution contre la contamination de la pandémie mondiale qui, selon les scientifiques, le pangolin et ses dérivés seraient des vecteurs. La pandémie du Covid-19 est une pandémie qui frappe l'ensemble de toute la planète. Et le gouvernement a pris des dispositions pour préserver la population en leur interdisant de consommer de la viande de pangolin ou de chauve-souris. Et donc le gouvernement a pris des mesures très salutaires de manière à ce que l'on puisse préserver la population. La deuxième phase de cette opération de masse vise la répression prévue à une date ultérieure à laisser entendre le directeur provincial des eaux et forêts. En ligne, Douyem pour Radio Gabon, la référence Firmin. Elle est bien mesurée. Coronavirus, on en parle encore dans ce journal. Les fonctionnaires gabonais perçoivent leur salaire depuis le 20 du mois en cours pour certains. Il s'agit pour les autorités à travers cette stratégie d'éviter la propagation du virus. Nick Jocelyn Infouba. Depuis l'apparition du coronavirus dans notre pays, le gouvernement multiplie les stratégies pour éviter la propagation de cet ennemi qui tue chaque jour dans le monde et qui continue de faire des dégâts. C'est dans cette optique que depuis plusieurs mois déjà, les agents publics perçoivent leur salaire très tôt. C'est le cas par exemple pour ce mois de mai. Depuis le mercredi 20 mai, le personnel des forces de défense et de sécurité a reçu son salaire. Le vendredi 22 mai, le tour est revenu au personnel de santé. Ces derniers vont bénéficier très prochainement d'une prime Covid-19, sans compter la PIP 2015 qui a été payée. Le lundi 25 mai, le tour reviendra au reste des agents de l'État, fonctionnaires, magistrats et maîtres d'œuvre non permanentes. Pourquoi un tel planning ? Pour les autorités, il faut limiter l'influence au sein des établissements bancaires. Selon le communiqué qui nous a été remis, pour les agents de l'État percevant leur salaire par bon de caisse, il est demandé de se rendre au poste du Trésor. De la Trésorerie Générale au centre-ville, la recette perception du Pont Nomba, la recette perception d'Okala et la recette perception de Nzengayon. Et pour la boucle de ce communiqué, le gouvernement sollicite le concours de tous pour assurer notre sécurité commune en respectant les mesures barrières. Les banques ont l'obligation de prendre les précautions aussi bien envers leur personnel que leur clientèle pour éviter la propagation du virus.
Le franc CFA, créé en 1945, a pour première appellation franc des colonies françaises d'Afrique. En 1960, année d'indépendance de certains territoires africains, le franc CFA va désormais signifier franc de la communauté financière africaine. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest met le pied dans l'étrier et s'engage vers l'écho. Quel enseignement peut-on tirer de la nouvelle monnaie en zone U et moins et plus entendu en zone CDAO? Les détails avec Issa Steve Mifan. En Afrique de l'Ouest, l'écho va être la monnaie sous peu des 15 États de la CDAO. Quels sont les principaux enseignements de la suppression du franc des communautés financières africaines, à savoir qu'est-ce qui demeure? Alassane Parfait Kumba Moussavou, normalien, professeur d'économie. Ce qui ne va pas changer avec la suppression du franc CFA, puisque le franc CFA va devenir l'écho. Alors, ce qui ne va pas changer au niveau de cette suppression, c'est déjà, premièrement, la parité avec l'euro. Malgré le changement de nom, 1 euro va toujours équivaloir à 655,96 écho. Donc au niveau de la parité, rien ne va changer. 1 euro sera toujours égal à 655,96 écho, comme avec le franc CFA. Deuxième enseignement, la France sera toujours le garant financier pour les pays de l'UE-, pour les 8 pays de l'UE-. En ce qui concerne les changements, que peut-on donc retenir? Changement de nom, le franc CFA va devenir l'écho en zone UE-. L'écho sera donc la monnaie, non pas seulement des 8 pays de l'UE-, mais des 15 pays de la CDAO. Parce que dans la CDAO, il y a 8 pays de l'UE-, et 7 pays qui ne font pas partie de l'UE-. C'est à l'exemple du Nigeria. Le Nigeria est un pays de la CDAO, mais le Nigeria ne fait pas partie de l'UE-, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Deuxième chose qui va changer, c'est la fin de la centralisation des réserves de change en France. Donc avec le changement de monnaie, avec l'arrivée de l'écho, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'aura plus, n'est-ce pas, l'obligation de déposer des réserves de change en France. Troisième chose qui va changer, c'est au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de représentants français pour les instances de gouvernance de l'Union monétaire ouest-africaine, comme ça se faisait auparavant. De ce changement du franc CFA à l'écho, on peut donc retenir cinq principaux enseignements scindés en deux groupes. Les données ou les éléments ont changé. Il y a d'une part la parité de l'écho qui demeure la même avec l'euro. Les trois choses qui vont changer, la dénomination de la monnaie, la fin de la centralisation au niveau du trésor français et enfin d'autre part, la gouvernance. L'Afrique centrale va-t-elle également changer le nom de sa monnaie comme l'Afrique de l'Ouest qui va bientôt utiliser l'écho? Selon certaines indiscrétions, certains économistes travaillent dans le noir et le nom est déjà connu, il s'agit de l'Afrix. Nick Jocelyn Infoba. L'Afrique centrale va-t-elle aussi changer le nom de sa monnaie dans les tout prochains jours? C'est la question qui alimente l'actualité dans certains pays de la sous-région. L'Afrix, A-F-R-I-X, c'est le nom qui est évoqué en ce moment pour remplacer le franc CFA. Selon certains médias en ligne, des personnalités d'Afrique centrale exerçant dans plusieurs institutions internationales seraient en train de travailler dans le noir discrètement sous la coupole de la France en vue de changer le nom du franc CFA. Sa création dont certains espèrent qu'elle ne sera pas un simple changement de dénomination fait d'ores et déjà l'objet de toutes sortes de spéculations au sein des réseaux sociaux. De ce qui ressort, cette monnaie viendra calmer les ardeurs des Africains progressistes qui appellent de tous leurs vœux à une réorganisation monétaire entre la France et l'Afrique. D'autres par ailleurs espère que le changement ne se limitera pas à la simple dénomination. Il doit s'accompagner d'une liberté de contrôle et d'une parité avec les autres devises. Dans ce débat d'une nouvelle monnaie pour les États d'Afrique centrale, que pensent les autorités et les experts gabonais? Point d'interrogation. La page des sports, c'est avec vous David Maguena, la Panthère. On parle du transfert de Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain et de Denis Bouanga. Tout à fait, Rokia Mounemé, en quête d'un avant-centre buteur, Paris Saint-Germain envisage de débourser 32 milliards de francs CFA pour recruter l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat avec Arsenal prend fin en 2021. Selon le site d'information Ludisport, le capitaine des Panthères est bien placé sur les tablettes du PSG. Aubameyang reste également l'objet d'un intérêt très sérieux du Real Madrid qui apprécie aussi son profil.
Autre international gabonais qui fait parler de lui sur le marché des transferts, c'est Denis Athanase Bouanga. Plusieurs clubs tournent autour de l'attaquant des Panthères. Rennes est en pole position pour recruter Bouanga. Le Breton aurait fait du Gabonais leur priorité. Si les nouvelles sont bonnes pour Aubameyang et Bouanga, André Bioyogo-Poko par contre est poussé vers la sortie sous contrat avec le club turc de Göztepe, première division turque. L'international gabonais pourrait quitter la Turquie cet été selon Hurriyet.com. L'entraîneur Palut Ihan ne compterait plus sur André Bioyogo-Poko. On connaît enfin la date des prochaines élections à la Fédération Ivoirienne de Football. Le comité exécutif de l'instance a fixé les assises au 22 août prochain. Les futures élections à la Fédération Ivoirienne de Football déchaînent les passions en Côte d'Ivoire. Depuis des mois, trois candidats sont dans les starting blocks. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo. Après l'Allemagne, le Portugal devrait voir son championnat reprendre. La date du 3 juin a été arrêtée pour la reprise de la Ligue Agnos. Interrompue depuis mi-mars après 24 journées en raison de la pandémie du coronavirus. Enfin, la nouvelle saison 2020-2021 du championnat français Ligue 1 reprend ses droits le 22 août prochain. Ainsi en a décidé le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité à présent, le rappel des titres. Célébration ce dimanche à travers le monde de la fin du jeûne du mois de Ramadan, occasion pour les fidèles musulmans de célébrer l'Aïd Fitr à la maison en famille en raison du coronavirus. Annoncé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, une prime Covid-19 pour le personnel de santé. Le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, par le biais de son président, salue cette mesure et souhaite son effectivité rapidement pour éviter le découragement. Et puis l'interdiction de chasser le pangolin fait l'objet d'une campagne de sensibilisation et d'information initiée par le directeur provincial des eaux et forêts du Wolintem. Voilà qui met un terme à cette principale édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon, La Référence. Merci à David Maguena, La Panthère, pour la collaboration. Je suis Rokia Mounimé. Je vous dis à demain. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. Très chers frères et sœurs dans la foi, que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous. Il fut notre très grand hôte de marque, et parmi vous, nombreux sont ceux et celles qui lui ont réservé un accueil et un séjour digne de la grandeur incommensurable de son envoyeur et de celle de l'envoyé. En effet, il s'agit ici du mois béni de Ramadan, envoyé par Allah l'Exalté. Cet envoyé fut, disais-je, car il vient de nous quitter pour l'éternité, emportant avec lui nos actes dévotionnels, nos prières, nos jeûnes, nos veillées nocturnes, nos retraites spirituelles, nos lectures intégrales et méditatives du noble Coran, nos entraides multiformes. C'est donc avec une grande amertume et une profonde tristesse que nous venons annoncer son départ. À cette amertume et tristesse se mélange tout de même une joie, découlant d'un sentiment du devoir bien accompli en toute obéissance à Allah et en toute désobéissance et totale désobéissance à l'ennemi juré de l'homme, Satan. Frères et sœurs dans la foi, par la dernière apparition du croissant lunaire, annonçant l'avènement de ce mois béni de Ramadan, et par sa disparition il y a quelques heures seulement, Dieu nous enseigne que toutes les créatures se trouvant sur terre et dans les cieux mourront et disparaîtront. Seule subsistera la face de notre Seigneur,
pleine de majesté et de noblesse, tel que le stipule le 26e verset du 55e chapitre du Coran intitulé « Le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Allah, le digne de toutes les vénérations terrestres et célestes. » Si le mois de Ramadan de l'an 1441 de l'Hégire, correspondant à l'an 2020 du calendrier grégorien, n'est plus de ce monde, le Dieu créateur de ce mois reste éternel, immuable et subsiste par lui-même. Il demeure digne de reconnaissance pour son amour sans borne. Ainsi, Allah nous recommande des rites post-Ramadan aux vertus diverses et variées, de surcroît très bénéfiques pour des êtres perfectibles que nous sommes. Il nous recommande de le louanger dès ce soir ou demain à l'aube par des formules appropriées jusqu'à l'accomplissement de la prière rituelle circonstancielle. Frères et sœurs, ne la négligeons pas. Aussi, nous recommande-t-il la zakatul fitr ou l'aumône de la rupture du jeûne aux vertus purificatrices et ascensionnelles. Cette aumône légale, alimentaire, bien sûr, n'est valable que lorsqu'elle est prélevée avant la prière de la fête, au profit des nécessiteux, des pauvres, afin de leur épargner la mendicité en ce jour festif. L'islam n'exclut pas sa remise aux familles non musulmanes. Aussi, ne négligeons pas cette aumône. La tradition prophétique divinement inspirée nous commande de marquer la rupture du jeûne en prenant dès l'apparition de l'aube quelques dattes ou d'autres fruits en nombre impair. Ne la négligeons pas. Ensuite, au lever du soleil, de la longueur d'une ou deux lances, cette noble tradition nous recommande de prendre le grand bain, de nous parer de nos plus beaux habits en vue d'accomplir la prière rituelle de la fête, et que les bien vêtus parmi nous ou parmi vous vêtissent les moins vêtus pour la circonstance. Aussi, ne la négligeons pas. Cette prière rituelle ne pourra malheureusement s'effectuer dans nos mosquées qui les abritent habituellement, à cause de la noble guerre que mène la nation contre cette redoutable pandémie aux conséquences incalculables. Que Dieu délivre l'humanité de ses griffes. Cette prière de l'Aïd est fortement recommandée. Le prophète l'a observée avec assiduité, mais n'en a aucunement fait une prière obligatoire. Conformément à cette tradition, elle n'est pas à négliger non plus. Que vous soyez seul ou en famille, sédentaire ou voyageur, petit ou grand, mâle ou femelle, accomplissez-la dans vos demeures, mais n'excédez pas 10 membres, à la fois par respect des mesures gouvernementales. Succinctement, comment l'accomplir? Prenez votre prière de subh, celle de l'aube, composée de 2 unités de prière. Vous aurez simplement à accroître le nombre de Allahu Akbar que vous aurez à faire. Au lieu d'un takbir, comme d'habitude, vous aurez à faire 7 ou 8 dans la première unité de prière. Ensuite, vous passez à la lecture habituelle et le choix des versets ou des chapitres vous incombe. Lorsque vous vous relevez pour la 2e unité de prière, évidemment, vous vous relevez avec le takbir Allahu Akbar. Et juste après cela, vous aurez à répéter 5 fois cette fois-ci le takbir avant de procéder encore à la même lecture. C'est si simple que ça. Nous vous présentons cela ainsi. Supposons maintenant que vous êtes un tout petit peu embrouillé sur le nombre de Allahu Akbar. Alors si vous vous retrouvez à 3, à 4, à 5, Dieu est clément, il est miséricordieux. Ceci ne remet aucunement en cause votre prière de l'Aïd. Frères et sœurs dans la foi, vivifiez en ce jour toutes les traditions prophétiques habituelles, dans la mesure du possible et du permis, tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières salvatrices. Durant le mois actuel, successeur du mois de Ramadan, le mois de Shawwal, 6 jours de jeûne surérogatoire
et complémentaires du jeûne du mois de Ramadan, y sont recommandés, ne les négligeons pas non plus. Frères et sœurs dans la foi, ayons davantage une pensée pieuse à l'égard de toutes les familles éprouvées. Persévérons dans notre intercession auprès de Dieu en leur faveur. Prions pour les malades, ainsi qu'à ceux et celles qui sont à leur chevet. Prions pour nos frères et sœurs du corps médical. Prions pour les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi qu'à ceux et celles qui risquent au quotidien leur vie pour sauver les nôtres. Prions pour tous les altruistes secoureurs depuis l'avènement de cette pandémie. Prions pour la nation, pour ses institutions, ainsi que ceux et celles qui les incarnent, en tête desquels Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Haja Ali Bongo Ondimba. Frères et sœurs, enfin, empruntons au prophète de l'islam Mohammed, sur lui la grâce unitive et la paix, les invocations suivantes. Ô Allah, le vivant, le subsistant par lui-même. Ô toi, l'existentiateur des cieux et de la terre. Ô toi, le Seigneur plein de majesté et de gloire. Il n'y a de Dieu que toi. Nous implorons secours auprès de ta miséricorde. Améliore notre situation et ne nous abandonne pas à notre propre sort. Ne serait-ce le temps d'un clin d'œil, ni à quelque autre créature. Ne fais pas de nous la cible de fléaux et d'épreuves. Amin et Rabbal Alamin. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Et que Dieu bénisse le Gabon. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.